Seriously! Oh, pardon, ok. Seriously! The Act, c'est incroyable. Et ouais, je me suis mis aux séries, les gars. Vraiment, ce bruit? Non, en vrai, en ce moment, j'en ai pas. Je viens de finir Game of Thrones. Non, Game of Thrones, c'est pas ouf. Enfin, moi, j'étais pas là. En vrai, ils nous saoulent avec l'hiver et tout, la nuit et tout. Non, mais les morts, tout ça, genre épisode 3, c'est bouclé. C'est bouclé. En fait, ce qui est dommage, c'est ça. C'est qu'en fait, ils mettent 5 saisons avant pour raconter un truc qu'ils auraient pu faire moins. En même temps, on prend le temps et tout, ils font monter la sauce. J'ai vraiment kiffé l'épisode 3. C'est-à-dire, de A à Z, j'étais dedans. Et en fait, il y a aussi un truc où je pense qu'il y a un effet avec la fin de Game of Thrones qui est aussi, c'est la fin d'un mythe. Il y a la fin de quelque chose. C'est une série, mais c'est ça, depuis 10 ans, c'est LA série Game of Thrones. Moi, j'aimais beaucoup Ma Famille d'abord. Ça, je crois que je pourrais regarder plein de fois. Ouais, les Simpsons et compagnie, là, tout ça, c'est bien. Là, ils ont sorti des nouveaux trucs sur Netflix. Là, j'aime beaucoup les Désenchantés. Ah oui. Il y a d'autres trucs comme ça, là, de Matt Groening aussi. Je trouve ça sympa. On part dans un autre truc. Voilà, ouais, voilà. Et Rick et Morty, évidemment. Ah évidemment, Rick et Morty, c'est stratosphérique. C'est stratosphérique. À la base, Rick et Morty aussi. Bah ouais. Ouais, Rick et Morty aussi. Si vous avez un peu de temps et qu'en ce moment vous êtes amoureux, regardez Love sur Netflix. C'est énorme. Ah ouais. Ça parle de quoi? Ça parle, je te laisse deviner. Non, Love sur Netflix, c'est très bon. Très très drôle et très fin et très très bien réalisé. Okay. Très très bien écrit. L'actrice principale de Love, magique. Ah, je suis désolé, je respecte pas trop le truc, genre c'est pas vraiment un coup de cœur de ouf pour un personnage, mais quand même, c'est plus pour la série et par rapport au personnage de Matthew McConaughey dans True Detective. Ouais, du coup moi c'est Milo dans Heroes qui joue le rôle de Peter. Ah ouais. Et Heroes, moi c'est une série, c'est pareil, c'est arrivé au bon moment. Faut savoir que la saison 1 est quand même sortie en 2005 et pour l'époque c'était stratosphérique quand même ce qu'ils ont réussi à faire. Ça a mal vieilli, parce que si ça va super vite maintenant tout, enfin tous les effets spéciaux, tout ça avance beaucoup plus vite qu'avant quoi. C'est exponentiel. Enfin bref, mais donc ouais, Heroes validé et donc notre ami Milo. Et Cillian Murphy dans Peaky Blinders. Tu pourrais. Ouais, tu crois? Peaky Blinders? Ah, c'est grave, c'est grave. Tu pourrais, hein? T'as vu? Il a l'emploi, hein? Le chien, là, tu vois? Un peu moins. Bob l'éponge, pardon, mais là. Bob l'éponge. Oui, sans aucune hésitation. Ah bah. D'ailleurs, disponible sur Netflix, n'hésitez pas. On lui passe un bon anniversaire. D'ailleurs, on lui souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, oui. Joyeux anniversaire. Moi j'étais très féru des petits dessins animés le matin, le dimanche matin là. Midi les Zouzous sur France 5, Gulli, les Zinzins de l'espace. Si, les oh là 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 là. Oggy et les cafards. Ah, non. Et les cafards. Énorme. Non, les non, rats non. Avec les voix d'Eric et Ramzy. Énorme avec Franklin, les gars. Franklin, Choupi, les frères. Moundir et les aventuriers, c'est extraordinaire. C'est quand même très très drôle et en même temps, moi je suis atterré. Non, c'est pas atterré parce que voilà, mais. Mais non, mais enfin je veux dire. Non. Mais non, c'est pas ça, mais c'est que. Donnez-lui un Oscar. Non, pas Moundir, mais enfin. Tout ça, surtout les anges et compagnie, là, il faudrait qu'ils. Il faut mettre une limite d'âge pour ces trucs-là. C'est ça le problème. C'est pas qu'ils arrêtent, chacun fait ce qu'il veut, ils veulent faire telle réalité trop bien, ça marche, ça intéresse des gens. Mais évidemment, ça intéresse aussi les plus jeunes, mais il faut mettre des limites d'âge à ces trucs-là, moi je pense. Alors Arthur, ce serait Suits, du coup, parce que Suits, c'est un distributeur de punchline. Les gars, moi, Peaky Blinders. Ouais, j'allais dire la même. Bien sûr. Basil serait Rick et Morty. Ouf. Basil serait Rick et Morty. Grave. Il a. Ah, il est tombé 50 centimes. Parce que je suis hyper riche. Je vais les garder du coup. Non, ou alors une série que j'aime beaucoup, mais qui est française, qui s'appelle Hippocrate. Ah oui. Et que j'aime bien. Big up Raphaël Quenard. Non, il est pas dedans, c'est. Mais oui, c'est dans Mental qu'il est. Non, pas Mental, HP. HP, ouais. HP. C'est génial. Big up à Rafa dans HP. Gros voilà. Big up à ma mère aussi. Non, comme ça. Maman, je t'aime. Moi aussi. Moi aussi, maman, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Même si j'ai déménagé hier et que je suis parti maman, du cocon familial. Tu as quitté ta mère? Ouais, les frères, hier. Mais non! Ratatatata!